Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Younes. Salam, on a une idée de ouf aujourd'hui. Pas de prank, pas de dispute, on passe une journée formidable. Genre tout ce qui nous fait plaisir, on le fait durant cette journée. Est-ce que t'es partant? Je suis partant, on se met bien. On commence tout de suite, on va aller voir Myriam dans sa chambre. Et on va lui faire une petite surprise pour commencer cette journée. Ça va être une masterclass. N'oubliez pas de liker et abonne-toi si tu veux passer aussi une journée un jour avec nous. Pourquoi pas, Inch'Allah. C'est parti. Myriam, Myriam, réveille-toi. Réveille-toi, Myriam. Myriam. Réveille-toi, wesh. Il est tard là. Je t'ai ramené un bon petit déjeuner au lit, regarde. Je t'ai ramené des Kinder, t'as des fruits, des princes, des œufs, compote. Depuis mon existence, tu m'as jamais fait ça. Mais aujourd'hui, on fait une vidéo où on est à dire avec Yacine, on passe une journée incroyable. Genre, pas de prank, pas de blague. On passe notre meilleure journée. Là, je t'ai ramené un petit déjeuner. Ça aurait pas existé, ça. Ouais. Quand on fait des activités qu'on kiffe, c'est-à-dire que je t'ai ramené un petit déjeuner, est-ce que tu veux faire la vidéo avec nous? Mais bien sûr frère, ça va être incroyable. Et en plus de ça, je vais vous ruiner. Tu veux nous ruiner? On t'a dit tout ce que... Non, on a dit que c'était pas un des pranks ni rien. Pas commence oui, pas. Bah, on a dit qu'on peut acheter des trucs. Oui, bah t'as ton argent, oui, tu fais ton argent. Oui, après. Donc pas là, mon argent, moi. Le petit déjeuner, tu mets combien sur 10? 5 pour l'entrée. Ok, vas-y, je te laisse déguster si t'as faim. Par si contre, par contre... C'est grave, hein. C'est grave. Hein. Pas de problème, c'est une journée incroyable. On a dit, on se dispute pas. Bon appétit, à tout à l'heure, on sort dehors. Merci. Cette journée va être phénoménale. Les amis, on va commencer cette journée par se faire plaisir. On va aller dans les magasins et chacun va acheter ce qu'il veut. Par contre, on va commencer par les plus grands parce qu'à chaque fois, on commence par Myriam. On va commencer par les plus grands, mais t'inquiète pas, Myriam, t'auras une récompense. Inch'Allah, t'auras patiente, t'auras un vrai cadeau. Eh, hey, mais Younes, pas de prank, hein, pas de prank, je rigole pas. Non, on fait pas de prank, regarde, les magasins, ils sont là. Pas de prank. Non, pas de prank. À tout moment, t'achètes tes trucs et après tu pars. Non, t'inquiète pas, je te promets, cette journée, les abonnés, soyez témoins, je vais pas faire de prank. Alors, les gars, quand je vous disais que l'hiver c'est mieux que l'été, vous en pensez quoi vraiment? Arrête de dire n'importe quoi, l'hiver c'est... Je suis en train de tousser là. Mais vous avez des gants bonnets là, vous êtes pas en train de... Tu vois, ici, y a pas de la transpiration. C'est le pire truc. Comment ça, c'est le pire truc? L'été, y'a pas mieux, t'es en t-shirt, il fait bon. Tu transpires. L'été, tu peux te promener à 19h, il fera jour. Comme ici à 10h. Vous êtes sûr que les chocolats l'hiver, vous êtes sûr? Eh, je t'ai dit non, c'est pas possible, l'hiver c'est éteint. Non, c'est nul l'hiver, il fait froid, tu... Mais Myriam, regarde les chocolats. Ta voiture, elle est congelée. Vas-y, ok. Younes, c'est toi qui commence, du coup, tu vas prendre quoi? Eh, je vous dis, même si j'aurais de l'argent en illimité, j'achèterais que Nike. Les marques Gucci et tout, ça m'intéresse pas. Nike, c'est trop la feu. Regardez ce pull. Comment il est incroyable, tu vois, ce pull avec un petit survêt, ça passe crème. Ah, mais regarde le prix. Combien? 60€. Non, c'est vrai que ça a augmenté, mais en vrai, ça va. Désolé, j'ai pas fait exprès. En plus, c'est une journée cadeau, je suis désolé. Regarde les autres survêtes, celui-là, il est servi pyjama, on est d'accord? Non. Il y a quoi encore de bien? Pyjama. En noir, en vrai, il est bien. Ils ont refait comme avant. Tu te rappelles? Ah ouais, ça c'était la mode. Avant c'était la mode quand on était petit. Sinon, il y a rouge. Pourquoi pas ça, c'est mieux? Ouais. Par contre, ça, attends, ça, je vais pas. T'en penses quoi, toi, Myriam? Pour une fille, c'est beau. Et pour un garçon? Dis la vérité. J'aime pas. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait ça dans le rayon, garçon? Je sais. Ils sont trompés de rayon ou... Ces gants-là, ils les ont plus. Toi, on dirait que tu t'es habillé dans le rayon. Regardez la veste, les gants. T'as tout du rayon. Viens, on part après. Bonjour, on a pris les affaires. Hey, il non, a tout Nike. Ces gants, c'est des gants de Gaulle. C'est pour ça qu'ils ont plus. Oh! Elle a dit tes gants, c'est des gants de Gaulle. Toi, tu veux parler avec tes gants? On dirait qu'elle a même pas de gants tellement ils sont fins. Ça sert à rien de mettre des gants. Oh! Bon, mes gants, ils peuvent toucher le téléphone. Oh! Ah, t'as fini, Yacine. Je te jurais, t'as fini. Check, t'es trop forte. Moi, je me suis dirigé vers les crampons. Les gars, lui, c'était sûr que son cadeau préféré, ça allait être des crampons. À la Madrid. À la Madrid. Les gars, j'avais cette paire de crampons-là qui coûtait 270€. Et je les ai oubliés à Valenciennes. Et tu l'as donné à un abonné qui s'appelle Adem. Ouais, Adam. Dis-toi, Myriam, l'abonné, il a trouvé la paire de crampons, il l'a pas pris, il l'a donné à son coach. Ah ouais? Il est grave gentil. Oui, il faut que je prenne une nouvelle paire. Vous me conseillez quoi? Puma, Nike ou Adidas? Myriam, tu conseilles quoi? Mais Nike, T-Rex. Adidas, elles ont l'air incroyables, elles sont grave légères, ça se voit. Vas-y. Mais elles sont super belles, Myriam. Y a Nike. Et t'aimes pas les. Regarde ceux-là. Dis la vérité, Yacine, elles sont comment? Hey, ils ont fait des montants de Puma. Bah ouais. Incroyable, elles sont trop bien. Et même la jaune, regarde la jaune, elle est exceptionnelle. Ah ouais, mais par contre, le prix aussi, il est exceptionnel. Mais c'est pas cher. Non, en vrai, je te conseille Nike. Comme Myriam a dit, Nike, c'est stylé. Regarde là-haut, les oranges. T'as vu les... Moi, je kiffe celle-là, alors. Ah ouais, les oranges. Ah ouais, ça, c'est les nouvelles. Ouais. En gros, toi, t'es dans le bail de Mercurial. Ouais, franchement, moi, je kiffe de ouf. Ici, on a la balle de l'euro. Elle, tu penses que la France, ils vont gagner ou pas l'euro 2024? Moi, je pense c'est le Portugal. Ronaldo, meilleur buteur, meilleur joueur. Mbappé, meilleur jeune. Et le Portugal, en finale contre la France, le Portugal va gagner. Et toi, Myriam? À la Madrid. Le Real Madrid, ils sont pas à l'euro. Ben, c'est le Portugal qui va gagner. Toi aussi. La balle, elle est incroyable. C'est la nouvelle balle. J'hésite si je la prends ou pas. Donc, où va arriver la balle? Est-ce que tu penses que je peux jouer l'euro? Je peux jouer l'euro, moi? Les gars. Dans l'équipe de Ronaldo, ouais. Là, les gars, je dis à Myriam qui arrive à faire ça, là, dis-moi. Vas-y, fais-le. On va voir si elle sait reproduire cette figure.
Attends. C'est ça, Yacine ? Non, cette jambe-là, faut qu'elle touche. Faut pas qu'elle soit en dessous. Ah, mais comme ça, alors ? Ouais, comme ça. Mais en vrai, elle a réussi. Si, regarde. C'est pareil. Ouais, on va dire c'est pareil. C'est bon, t'inquiète. Finalement, je me suis décidé, les gars. Je me suis pris une paire. Eh, si vous me connaissez normalement, vous savez déjà c'est quoi comme paire. Je vais l'ouvrir devant vous, vous allez voir. On se dirige vers du Nike. Du Nike, ça, c'est la base. On va la découvrir ensemble. Vous allez voir. Regardez-moi ça. Wow, elle est comme ça en mode orange. Oh le gamin. Ah, c'est la toute dernière. Franchement, je la trouve trop belle. Pas. Est-ce que t'as le sac? À chaque fois, j'aime bien savoir s'il y a le sac. Mais pourquoi, à chaque fois, vous me demandez le sac le plus important? Parce que le sac, il est... j'aime bien voir les sacs. Comment ils font. Oh là 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 là, la masterclass. MDS, milieu défensif. Ah, t'es milieu défensif. C'est une collab avec Ace. Regarde, tu peux te filmer Ace. Le moment tant attendu. On va essayer. Hey, la première fois qu'on essaie des crampons, c'est relou. Si elle est trop grande, du coup, je peux la prendre. Ça mais serait trop. La vie, elle est trop. Déjà, elle est grave serrée. Ça serait trop bien si elle serait trop grande, les gars. En plus, j'ai mis des chaussettes, des grosses chaussettes. Du coup, pour essayer, c'est compliqué. Ok, donc là, elles sont comme ça. Dis-moi ce que t'en penses. Oh là là, elle flingue, les gars. Donnez-nous une note sur 10. Ah, si vous me voyez dans les prochaines vidéos ou dans les prochains lives, je les mets pendant que je joue à la play, c'est normal, c'est pour les habitués, les gars, je suis pas fou. À partir de maintenant, Myriam, tu vas dans le magasin que tu veux, t'as le droit de prendre le produit que tu veux, mais t'as le droit qu'il y a un seul truc, et Younes, t'as le droit de la conseiller. Y a pas de limite de prix, rien. Y a pas de limite de prix. On va à Boulanger. Ok. En vrai, regarde, y a des tablettes. Celle-là, elle est, waouh, elle est vraiment balèze, celle-là. Regarde le prix, Younes. 1 300 €. En vrai, Myriam, y a tablette. Tablette, t'en as déjà ou pas? Bah oui, j'en ai déjà. Ouais, c'est vrai, t'en as déjà une, mais on prend pas de tablette alors. Okay. Je vais la conseiller bien comme il faut. Les iPhones, sinon un iPhone. En vrai, là, il y a l'iPhone 15, l'iPhone de Yacine, il y a l'iPhone 14. Est-ce qu'un iPhone, en vrai, ce serait pas bien pour cette vidéo-là? Mais Younes, moi, j'ai personne à appeler, j'ai pas d'amis et tout. Bon, en vrai, pour son âge, ça, en vrai, un téléphone, ça lui sert à rien. Un ordinateur. Mais un non, ordinateur. Mais si on a déjà au CDI. Ah oui, c'est vrai. Tu veux pas d'ordinateur, t'es non, sûr? Oui. J'essaie de lui trouver un bon truc, mais elle est difficile. En vrai, je peux prendre une carte Switch. Quoi, une carte à 15 €, 25 €? Mais Myriam, il t'a dit tu peux prendre le truc de ton choix. Arrête de faire n'importe quoi. Viens. J'ai une meilleure idée pour toi. Quoi? Viens voir. Je pense que là, est-ce que tu voudrais la PS5 Slim? La PS5 Slim, il a dit on peut pas te play. Pour jouer à Fortnite, Roblox, tu veux la PS5 Slim? Bah oui. Yacine, est-ce qu'on peut? Ok, vas-y, c'est moi qui lui prends. T'es sûr de toi? On peut lui prendre? Oui. Non, ça, c'est la grosse. Elle est grosse, celle-là. C'est la Slim, c'est la petite. Oui, mais y a rien qui change. Oui, sauf la taille, quoi. Ah, ok. Ça, quand j'aurai 20 ans, ça va être mon futur PC. Regarde l'écran, il est plus gros que moi. L'écran, je viens de demander. Il a dit il ne reste plus de PS5. Plus de Slim et plus de PS5 normal. Donc, on va changer de magasin. On va voir si on a une autre. Mais t'inquiète pas. Les amis, on a le ticket. On va récupérer la console juste derrière. Regardez. Allez, partir ramener ta console. C'est pas une blague. T'es sûr, dedans, y'a pas que du carton. Y'a pas de carton, c'est pas une blague. Je t'ai dit, c'est Yacine qui t'a fait la surprise. Remercie-le, mon frère. Merci, Yacine. Réflexe. Ouais, mais j'aurais jamais pensé d'avoir la Slim. La Slim, je m'en fiche qu'elle soit petite. Tu sais qu'une et moi, on l'a même pas. Hein. Tu vas être la seule à l'avoir. Mais. Tu me la prêteras des fois? Comme tu me prêtes ta PS5, en vrai, vu que c'est toi qui l'as payé, oui. C'est bon, les frères. Younes, c'est pas possible, je rêve. Fais-moi une claque pour voir si c'est pas de mon rêve. T'inquiète pas, tu rêves pas. Non, tu rêves pas, ton frère Yacine, il est super gentil. Remercie le frère. Merci Yacine. Tu le remercies tous les jours. Nous, quand on voulait avoir une PlayStation 3, mon père. Un jour, on voulait avoir une PS3 et papa, il avait que des bons pour nous acheter parce qu'il avait pas trop d'argent. Et on est arrivé dans un magasin, on avait la Play dans les mains, on était trop content. Il arrive à la caisse, la dame a dit je prends pas les bons. On était trop dégoûtés. Pour moi, j'ai la PS5. Ils sont déjà en train de l'ouvrir. Elle est toute petite, elle est toute petite. Oh my god! Non, je rêve, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh regarde, Younes, il y a le lecteur CD. C'est pas possible. Elle est trop belle. Toute petite, Emma. C'est pour toi. C'est ton petit. Ça y est, la play est prête, la famille. Par contre, Myriam, quand on a une nouvelle chose, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi la dua qu'on doit dire? On doit dire, ya Allah, accorde-nous le bien de cette console et éloigne-nous le mal de cette console. Ok, avant de l'allumer, il y a des règles, tu me demandes ou tu demandes à Yacine. Okay. Et dis-toi qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance d'avoir une PlayStation, donc j'espère que tu es consciente de la chance que tu as, que ouais. Dieu est généreux avec toi, il t'offre des cadeaux, d'accord? Ceux qui n'ont pas de Play encore, vous inquiétez pas, faites des prières et demandez à vos parents, ils travaillent bien à l'école, vous allez avoir une Play. J'ai un gros truc à dire, ceux qui vont dire, ouais, pourquoi il y a Call of dans sa Play? Call of, c'est incroyable. Je suis en train de lui installer Fortnite, les mecs. Comme on a trouvé ça, je sais pas c'était quoi dans le carton de la Play. Je vais voir s'il y en a qui savent ce que c'est, j'ai aucune idée c'est de bloqué. Ce que c'est. Ah, c'est bon. J'ai aucune idée de ce que c'est, les mecs, c'était dans la Play 5, je sais pas dans du tout. Dans la Slim. Wesh, mais qu'est-ce qui t'arrive, frère? Les gars, cette journée, elle est incroyable. Y a quoi dans ta main? Un sac
avec un restaurant 5 étoiles. Il est noté 5 étoiles. Ah là, c'est le moment de graille. Askip, c'est le meilleur tacos de France. Ah ouais, je peux voir. Il y a marqué quoi? Tu peux voir où il y a ta main? Il y a marqué Chamas, ouais. Chamas tacos. La chance, tu vas tester Chamas tacos. Ah, on a le meilleur dessert du monde. À ton avis, c'est quoi? Le meilleur dessert du monde, ouais. Un tiramisu? Non. Une crêpe? Non. Donne-moi un indice. Avant, tu le prenais tout le temps. Une tarte aux dents? Ouais. Incroyable les gars. Le meilleur tacos de France les amis. Laisse découvrir. Déjà la boîte, tu vois la boîte comment la elle est stylée. La tarte aux dents. Elle est incroyable la boîte les la gars. La boîte franchement je mets 10 sur 10, elle est trop belle. Chamas. Je vous laisse découvrir avant moi. Attends, on va regarder. Wouah, mais c'est une pizza frère. Il y a des onion rings, c'est tout. On dirait des joueurs de foot qui font un match sur un terrain. Oh là là, le micro les gars. Fais voir l'intérieur pour l'instant. Je vais voir à l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle est punie? Elle est punie au coin? Les gars, elle est punie? Pourquoi t'es punie? Ah, peut-être tellement c'est bon. À ce point-là? Tcha 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 tcha. Ouais, c'est pas des blagues, c'est vraiment le meilleur tacos de France. Regardez-moi cette beauté, pourquoi on peut pas faire une journée comme ça tous les jours? Bah, des fois, des pranks, c'est marrant. Oh là là, des pranks, c'est marrant aussi, j'allais dire. Tu veux goûter? Je veux tout, ça sert à rien de goûter. Ça sert à rien. Ouais, y a pas de goûter. C'est comme à la maison quand vous me dites tu veux un chocobon. Je veux pas un chocobon, je veux tout le paquet sinon ça sert à rien. Par contre, pourquoi ici? Ah, je l'ai mal ouvert. Il n'existe plus. Les amis, 22h26. Les gars, c'est déjà la fin de la journée, ça passe trop vite. En tout cas, c'est pour vous dire que cette journée, elle était incroyable, mais vraiment un truc de fou. J'ai eu ma PS5 Slim. Mais je sais pas si vous vous rendez compte la chance qu'on a d'avoir des trucs comme ça. En tout cas, sur ce, les gars. Je vais pas faire plus long, j'espère que cette journée vous a plu. Si vous voulez voir plus de vidéos, lâche un like et abonne-toi.